Alors bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer notre séance de formation, plutôt notre première séance de formation dans le module traitement des eaux usées. Et on va voir donc dans ce module quelques techniques et quelques méthodes de traitement des eaux dans une station d'épuration. Donc nous avons déjà parlé au moment de l'ISO 14001 et de l'étude d'impact. Qu'il y a des disciplines, en fait, ou bien il y a quelques techniques de base qu'il faut acquérir lorsqu'on aborde la discipline environnementale. Nous avons vu le premier thème, qui est la gestion des déchets. Pardon. On va voir dans les séances à venir le traitement des eaux usées, et puis on va voir le traitement des fumées, et on va clôturer notre formation par le module audit thématique environnementale et évaluation environnementale. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va voir à travers cette formation, via ce module de formation? On va faire une petite introduction comme toujours. On va voir quelques paramètres chimiques et physico-chimiques de la qualité de l'eau. On va voir par la suite quels sont les procédés de traitement des eaux. Donc dans les entreprises, on peut avoir une petite station d'épuration, mais aussi c'est la même technique dans les grandes stations d'épuration qui fonctionnent d'une façon qui est indépendante des entreprises dans lesquelles, bien sûr, les stations d'épuration dans lesquelles on fait le traitement des effluents industriels. Par la suite, vers la fin, on va voir quelques techniques et quelques idées qui aident l'entreprise à réduire les effluents. Quelles sont les méthodes de traitement des boues? Parce que, en fait, une installation d'épuration ou bien de traitement des eaux usées, elle aussi, elle a des effets négatifs sur l'environnement. Donc, elle a des effets, même, bien que c'est une technique de protection de l'environnement, mais il y aura toujours des impacts résiduels. Alors, ces impacts, c'est par exemple le côté boue. Donc, les boues, ça veut dire les boues de la station d'épuration, ce sont des déchets qui sont fortement chargés en matière organique et aussi parfois activés par des micro-organismes pathogènes. Donc, il faut traiter ces boues, il faut faire des corrections pour que donc, la technique soit à 100% écologique. Alors, on va voir certaines méthodes de traitement des boues et on va voir aussi un petit peu le côté réglementation, donc un petit focus sur la réglementation juste pour donc mettre l'accent sur le côté réglementaire, quelques paramètres mentionnés dans la réglementation. Alors, pour le volet risque SST dans une STEP, ça c'est un supplément de cours normalement parce que pour le traitement des eaux, on l'aborde aussi comme étant une formation dans le cadre de la santé et la sécurité. Donc, pour nous, dans le cadre de l'environnement, ça ne nous intéresse pas. Donc, tout ce qui est risque, santé et sécurité dans une station d'épuration. Alors, déjà, s'il vous plaît, comme petite introduction, juste pour vous donner un petit contexte en ce qui concerne ces disciplines de traitement des eaux, il faut savoir que déjà, le domaine industriel, ça fait partie des domaines qui consomment d'une façon excessive de l'eau. Donc, ils consomment une grande quantité de l'eau. Donc, vous avez de grandes entrées. Il y a une transformation, il y a une consommation. Donc, naturellement et obligatoirement, il y aura des sorties. Donc, il y aura bien sûr des résidus ou bien des rejets. Donc, là où il y a une grande consommation, bien sûr, il y aura aussi une grande quantité de rejets liquides qui vont être générés par la suite. Alors, les industries les plus gourmandes ou bien les plus consommatrices de l'eau sont les industries de transformation. Donc, la plus grande partie, ou bien les industries les plus importantes qui font la consommation de quantités excessives et par la suite génèrent des grandes quantités de rejets, ce sont les industries de transformation, comme les industries de la chimie, donc qui font par exemple la production de fibres et de fils synthétiques, les industries de papier et de carton. Ça fait partie aussi des industries qui génèrent et qui consomment de l'eau d'abord et qui génèrent des grandes quantités en rejet, la métallurgie, le domaine de la parachimie et l'industrie pharmaceutique. Alors, ce sont bien sûr
les industries qui totalisent à eux seuls les deux tiers de toutes les consommations industrielles. Alors, en quelques chiffres, s'il vous plaît, juste pour contexter un petit peu notre formation, vous avez ici, par exemple, quelques industries et leur consommation en eau, parce que la consommation de l'eau, ou bien la quantité des rejets qui vont être générés, elle est proportionnelle à la quantité déjà de l'eau consommée. Je parle de l'eau de process, je parle aussi de l'eau consommée pour l'utilisation quotidienne, le nettoyage des équipements, le nettoyage des sols, la consommation dans les sanitaires et ainsi de suite. Et vous avez trois grandes catégories d'eau usée. Donc, on parle d'eau domestique, donc ce sont les eaux des ménages, ça ne nous concerne pas, les eaux industrielles, et par la suite, vous avez également les eaux pluviales. Les eaux pluviales aussi, elles seront traitées dans des stations pour enlever donc l'attraction néfaste pour l'environnement. Alors, le premier paramètre à aborder quand on parle de la qualité de l'eau, c'est la température. Donc, quand je dis la qualité de l'eau, ça veut dire que vous avez des rejets industriels. Ces rejets, par la suite, ils vont être rejetés dans la nature. Rejetés dans la nature, généralement rejetés dans les cours d'eau. C'est pourquoi on parle de la qualité de l'eau de surface. Ça veut dire pour rejeter ces rejets dans la nature, dans les cours d'eau, dans les eaux de surface, il faut respecter certains paramètres. Parce que si vous ne respectez pas ces paramètres, vous allez perturber la qualité de vie des êtres vivants dans ce milieu de destination. Alors, le premier paramètre à contrôler, c'est la température. Alors, pourquoi la température, elle est très importante? Tout simplement parce que c'est la température qui joue un rôle très important en ce qui concerne la solubilité, par exemple, de certains sels et de certains gaz dans l'eau, notamment l'oxygène. Donc, on a par exemple un milieu aquatique, supposons qu'on va rejeter cette eau dans un milieu aquatique. Les êtres vivants qui occupent ce milieu-là, ils ont besoin de l'oxygène. Alors, l'oxygène dissout dans l'eau. La température, elle joue un rôle très important dans la solubilité de l'oxygène, dans la solubilité de d'autres gaz, dans la solubilité des nutriments et des sels qui sont importants pour garder l'équilibre de la vie aquatique. Donc, la température de l'eau, il joue un rôle important dans la solubilité des sels et des gaz dans l'eau, y compris l'oxygène, et dans les réactions chimiques et biochimiques et l'activité métabolique des organismes aquatiques. Alors, s'il vous plaît, quand on parle de réactions chimiques, biochimiques, les activités métaboliques des organismes, ça a une relation directe avec l'épuration de l'eau ou bien la qualité de cette eau. Donc, vous avez la pollution normalement dans l'eau, la pollution organique, il va être par la suite consommé et dégradé par quelques organismes vivants. Donc, toujours, comme lorsqu'on a abordé le côté gestion des déchets, nous avons dit que la pollution organique solide, elle est consommée par des micro-organismes dans la nature. C'est le cycle normal de la nature. Et le cycle naturel. La même chose pour l'eau. Les eaux de surface ou bien les milieux aquatiques, normalement, ils ont tendance à faire l'auto-épuration à travers quelques réactions chimiques, à travers le métabolisme naturel des êtres vivants et des micro-organismes aquatiques. Alors, imaginez que vous avez donc perturbé la température normale de l'eau. Ici, on parle d'une température généralement entre 30 jusqu'à 40 degrés C. Donc, si on dépasse les 40 degrés C, on va perturber donc voilà la vitesse de ces réactions chimiques, ce qui va bien sûr causer des problèmes au niveau du métabolisme, donc l'accumulation de la pollution de l'eau, d'où viennent les odeurs nauséabondes, donc l'eau et les turbides, elle n'est pas claire, donc la qualité de l'eau, elle est perturbée. Alors, par ailleurs, la température, elle accroît en fait, comme j'ai dit, les vitesses des réactions chimiques et biochimiques et l'activité métabolique des organismes aquatiques. Donc, il faut toujours garder une température qui est optimale. Sinon, si vous rejetez des rejets qui sont chauds dans l'eau,
on va causer, bien sûr, l'augmentation de cette valeur de la température. C'est pourquoi, en fait, vous allez trouver, et on va voir ça dans le côté solution par la suite, vous allez trouver qu'il faut toujours passer les rejets, par exemple, dans des chaudières, dans des échangeurs de chaleur pour les refroidir et aussi pour capter cette énergie thermique parce que la température, c'est une énergie. Donc, on peut utiliser des fluides caloporteurs qui vont capter cette énergie thermique, par exemple, qu'on va par exemple utiliser par la suite pour chauffer de l'eau sanitaire. Donc, c'est une solution également pour optimiser l'énergie, mais c'est une solution également pour diminuer la température de l'eau qu'on va par la suite rejeter dans le milieu naturel après traitement, s'il y a d'autres traitements, bien sûr, à faire. Alors, des changements, donc c'est une conviction, des changements brusques de température de plus de 3 degrés C s'avèrent souvent néfastes. Donc, vous voyez juste une augmentation ou bien une diminution de la température du milieu aquatique qui va recevoir les rejets de 3 degrés Celsius, ça peut être néfaste pour la qualité de vie des êtres vivants. Et pour mesurer la température, bien sûr, on peut utiliser des sondes, par exemple la résistance, des thermomètres et ainsi de suite. Alors, par la suite, on va voir quelles sont, bien sûr, les mesures à faire ou bien quels sont les contrôles à faire. Mais jusqu'à présent, déjà, on est juste dans la définition des paramètres physico-chimique de la qualité de l'eau. Donc ici, pardon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que normalement, dans l'entreprise, si l'entreprise génère des rejets qui ont de grandes températures, il doit avoir des moyens de contrôle et de suivi de la température des rejets. Il doit aussi avoir des moyens pour refroidir les rejets et pour les ramener vers les températures normales avant de faire l'évacuation dans le milieu. Pourquoi ici je vous parle toujours de milieu aquatique? Parce que généralement les rejets, ils sont rejetés dans les cours d'eau et dans les milieux aquatiques. Par la suite, vous avez le deuxième paramètre important, c'est le pH tout simplement, qui va représenter l'acidité de l'eau. Donc vous savez que le pH, il mesure donc l'acidité de l'eau. C'est-à-dire, donc quand je dis s'il vous plaît l'acidité, c'est la concentration en ions d'hydrogène, donc l'H+. Quand je dis la concentration en H+, il reflète le degré d'acidité de l'eau. Et bien sûr, donc l'acidité de l'eau, il joue un rôle aussi important en ce qui concerne la qualité de vie dans le milieu aquatique. Donc, vous avez bien sûr ici l'échelle de mesure de pH selon les couleurs. Donc, vous le savez peut-être, c'est quelque chose de basique. Donc, les pH faibles représentent les eaux acides, notamment si vous faites l'évacuation des rejets acides dans un milieu aquatique, on augmente le risque de présence de métaux sous une forme ionique plus toxique, parce que les métaux lourds, la pollution en métaux lourds, sous forme ionique, ils représentent une toxicité qui est très importante, que ce soit les eaux sont destinées à l'alimentation humaine ou bien des eaux qui représentent un milieu de vie de certaines espèces, et ça impacte aussi négativement la qualité des sols. Donc, si vous faites l'évacuation de ces rejets directement sur le sol, il y a aussi l'infiltration, donc le risque de pollution de la nappe phréatique, mais même la qualité du sol, s'il s'agit par exemple d'un sol destiné à l'agriculture ou bien des activités d'agriculture, donc ça va aussi impacter négativement la qualité du sol. Et bien sûr, l'échelle du pH, elle s'étend, donc en pratique, de 0, ça veut dire très acide jusqu'à 14. Donc, je parle des rejets qui sont très alcalins. Et on parle d'une valeur médiane. Donc, un petit rappel sur le pH, je sais que vous le savez déjà. Donc, la valeur médiane 7, il correspond à une solution neutre à 25 degrés C. Donc, la valeur de
de 7 à 25 degrés C. Donc, c'est la solution neutre. Ça veut dire que l'eau, elle est pure. Donc, si jamais les rejets sont alcalins ou bien sont acides, ça va bien sûr impacter la qualité de l'eau. Donc, il faut suivre aussi l'acidité. Donc, vous avez des rejets, vous devez suivre la température de ces rejets et comparer avec la température optimale définie dans la réglementation. Et comme j'ai dit, on va jeter un coup d'œil sur les seuils réglementaires. Ici au Maroc, et aussi, on va faire on va faire allusion à quelques paramètres et normes internationales. Voilà, donc, pour faire la comparaison. La même chose, vous devez aussi contrôler le pH pour contrôler et suivre l'acidité. Vous pouvez utiliser un pH mètre pour suivre l'acidité de l'eau ou bien des rejets que vous allez jeter dans la nature. Bien sûr, si les rejets dépassent les normes, ça veut dire qu'ils sont très acides ou bien très alcalins, il faut réduire leur acidité et on va voir quels sont les traitements que vous pouvez faire dans votre station d'épuration. Un paramètre qui est important, c'est surtout dans le domaine des eaux potables, mais ça n'empêche pas de l'aborder ici lorsqu'on parle des rejets, puisque les rejets, et eux également, ils peuvent perturber ce paramètre important. Alors, je vais vous expliquer. Il s'agit de la conductivité électrique de l'eau. Donc, normalement, laissons de côté maintenant les rejets. Lorsqu'on parle de la qualité de l'eau potable, l'eau potable doit représenter une certaine mesure de conductivité qui est optimale. Donc, la conductivité électrique, c'est la capacité d'une solution à conduire un courant électrique. Alors, ça représente quoi? Ça représente tout simplement les matières des sous, ou bien les matières des sous, surtout. Qui peut être contenu dans l'eau. Ça veut dire les ions contenus dans l'eau. Alors, la plupart des sels minéraux en solution sont de bons conducteurs. Donc, les sels minéraux, ce sont les nutriments aussi des organismes vivants. Alors, lorsque l'eau pure, ou bien l'eau de surface, ou bien le milieu aquatique doit représenter une certaine conductivité électrique optimale, ça veut dire que s'il y a des rejets qui sont chargés de matière organique ou bien de matière minérale, et qu'on va rejeter ces rejets sans traitement dans le milieu aquatique ou bien n'importe quelle source d'eau, alors là, il y aura bien sûr une perturbation, encore une fois, de la qualité de vie parce qu'il y a une quantité optimale à ne pas dépasser. Donc, c'est une pollution, même s'il s'agit bien sûr de sels minéraux, mais ça reste une pollution. Et ça augmente surtout la dureté de l'eau. Si vous faites par exemple ces rejets, vous les évacuez sur le sol, et ces rejets, ils vont s'infiltrer pardon, dans la nappe phréatique, alors cette eau potable, il va représenter une dureté qui est plus élevée. Ça veut dire qu'il va causer des maladies pour l'être humain également. Donc n'oubliez pas qu'on a dit lorsqu'on a abordé l'analyse des impacts et des aspects, qu'il faut aussi analyser les impacts à long terme. Ça veut dire qu'ils succèdent dans une chaîne de conséquences aux impacts qui sont directs. Donc les impacts directs et les impacts indirects. Alors si ces rejets s'infiltrent dans la nappe phréatique et que cette eau est utilisée par la suite comme étant une source d'eau potable, forage, des puits, et ainsi de suite, ça veut dire que ça va causer des problèmes sanitaires. Ça va augmenter la dureté donc, de cette eau, donc elle n'est plus vraiment potable au vrai sens du terme. C'est pourquoi donc, je vous ai abordé donc, ce paramètre-là, bien qu'il s'agit d'un paramètre de contrôle de la qualité des eaux potables et non pas des rejets. Alors, vous avez les composés organiques sont de mauvais conducteurs, ça c'est connu. La conductivité électrique s'exprime bien sûr en millisiemens par mètre, donc millisiemens par mètre dans une température de 20 degrés C. La conductivité d'une onde naturelle est comprise entre 50 et 1500 microsieverts.
6 mètres par centimètre cube de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais les eaux ou bien les rejets que vous allez rejeter vont perturber ou bien vont augmenter cette conductivité et qu'on va faire sortir de cette marche optimale, automatiquement, c'est une pollution. L'autre paramètre qu'il faut contrôler, cette fois-ci c'est un paramètre à contrôler, comme la température et comme le pH, ce sont les matières en suspension. Tout simplement, les matières en suspension, ce sont les matières minérales ou bien organiques qui ne se solubilisent pas dans l'eau. Donc on parle par exemple des argiles, des sables, des matières organiques minérales de faible dimension qui restent en suspension toujours, le plancton. Donc, le plancton ou bien les autres micro-organismes de l'eau. Donc, le plancton, ça fait partie des micro-organismes polluants, donc de l'eau qui reste en suspension. Donc, vous avez les matières en suspension, ils causent la turbidité de l'eau. Donc, quand je prends une eau et qu'il est turbide, je dis qu'il y a des matières en suspension qui ont des diamètres qui sont différents. Il y a des matières en suspension d'un grand diamètre, ça veut dire une simple décantation. Donc, je laisse l'eau tranquille. Après un certain moment, j'aurai la décantation de cette matière et je peux donc la racler et l'éliminer, comme les argiles et les sables. Mais il y a toujours aussi des matières en suspension de faible dimension, comme le plancton et les micro-organismes, qui ne se décantent pas facilement. Ça demande des années pour se décanter. Donc, il faut rajouter quelques traitements physico-chimiques dans la station d'épuration et ça, on va le voir en détail. Donc, ce sont des matières qui causent la turbidité de l'eau. Alors, les matières en suspension affectent la transparence de l'eau et diminuent la pénétration de la lumière. Alors, imaginons toujours que vous avez des rejets chargés en matière en suspension. Notamment pour le côté chantier BTP, il y aura toujours des rejets qui sont chargés en particules, chargés en matière en suspension. Et aussi dans l'entreprise, on trouve ce type de rejet. Et quand vous avez rejeté ces rejets dans un milieu aquatique, la première fois, l'eau va être régénérée, donc l'auto-épuration, mais au fil du temps, au fil des années, avec l'accumulation, donc on va causer aussi un changement au niveau de la transparence de cette eau et ça va diminuer quoi? La pénétration de la lumière. Vous savez que pour l'auto-épuration d'un milieu aquatique, il est nécessaire de faire la photosynthèse, il est nécessaire d'avoir de la lumière qui pénètre pour empêcher la prolifération des algues et pour empêcher, ces odeurs nauséabondes dans l'eau et l'accumulation des polluants. Donc, il faut toujours avoir des rayons solaires. Alors, les matières en suspension, au fil du temps, ils vont augmenter, ou bien plutôt augmenter la turbidité et diminuer la transparence de l'eau. Donc, ils vont empêcher la pénétration de la lumière. Alors, au fil des années, ce milieu aquatique qui va recevoir ces rejets, pollués avec des matières en suspension, il va devenir carrément un milieu pollué, un milieu de vie qui est très pollué et qui ne respecte pas les paramètres de qualité de vie des êtres vivants. Alors, les matières en suspension, ils peuvent également gêner la respiration des poissons, par exemple, s'il s'agit d'une rivière ou bien de la mer, par exemple, pour rejeter directement cette eau sans traitement, sans décantation, sans traitement chimique, coagulation et flocculation pour enlever donc cette matière en suspension. Alors ça va causer une gêne de respiration des poissons, accumuler les quantités de matières toxiques, les métaux, les pesticides, les huiles, les hydrocarbures et ainsi de suite. Donc c'est un paramètre aussi qu'il faut contrôler. Si vous vous rappelez très bien de l'exemple de la loi marocaine que je vous ai montré, nous avons vu donc les matières en suspension. On va revenir vers ça et nous avons vu qu'il y a quand même donc une quantité en milligrammes qu'il ne faut pas dépasser dans les rejets pour assurer le fait que
Voilà, donc le milieu naturel qui va recevoir ces rejets ne sera pas perturbé et il va garder toujours sa capacité d'auto-épuration. Voilà, donc les matières en suspension sont exprimées sous forme d'une concentration, donc en milligrammes par litre. Même les paramètres que vous allez retrouver donc, dans la législation s'expriment en milligrammes par litre et vous pouvez calculer donc, selon le volume des rejets que vous avez ou bien que vous faites évacuer chaque jour. Alors, un paramètre qui a une relation avec les matières en suspension, c'est la turbidité, c'est la transparence de l'eau, tout simplement. Donc, il a une relation avec les matières en suspension. Alors, une eau turbide, c'est une eau trouble. Ça veut dire qu'il comporte des matières en suspension, tout simplement. Donc, on peut même faire un contrôle visuel pour voir est-ce qu'il s'agit. Parfois, cette eau, par exemple, c'est juste l'eau qui va servir à faire le nettoyage. Il ne comporte pas vraiment, il ne transporte pas une vraie pollution, mais quand même, il s'agit d'une eau turbide, une eau qui n'est pas transparente, donc il ne faut pas la rejeter dans un milieu aquatique. Donc, cette caractéristique vient de la teneur de l'eau en particules en suspension. Alors, s'il vous plaît, la turbidité, il est mesuré par normalement un test optique dans un laboratoire. Donc, voilà, donc vous pouvez toujours. Normalement, ce paramètre-là, donc vous êtes plutôt concerné par les matières en suspension. Donc, vous prenez un échantillon, vous envoyez l'échantillon à un laboratoire, on va vous donner. Généralement, on va vous donner donc les résultats de tous ces paramètres, de les débuts jusqu'à la fin. Mais c'est bien de les comprendre pour comprendre comment peut-on lire donc les résultats de l'analyse. La turbidité, c'est surtout le côté, l'autre côté. Ça veut dire les organismes ou bien les labos qui ont comme responsabilité le contrôle de la qualité de l'eau potable. Ça veut dire comme résultat d'un rejet de matière en suspension dans de l'eau qui est destinée à l'alimentation ou bien à la vie de certains espèces aquatiques, on fait toujours des contrôles et ces turbidités, elles représentent la potabilité ou pas de l'eau ou bien est-ce que les micro-organismes ou bien les organismes vivants peuvent vivre dans ce milieu ou pas. Donc, c'est surtout de l'autre côté. Si vous avez une pollution en matière en suspension et que vous faites l'évacuation dans l'eau, donc ça va augmenter la turbidité. Donc, pour vous, le paramètre à contrôler, ce sont les matières en suspension. Mais ça n'empêche pas de comprendre ce paramètre. Donc, les matières mêlées à l'eau sont de nature très diverse. Donc, on parle de matières d'origine minérale, on parle de microparticules, de micro-organismes, et ainsi de suite. Et la turbidité se mesure par la réflexion d'un rayon lumineux dans l'eau. Donc, juste pour comprendre la technique brièvement, mais on n'est pas concerné parce que c'est le laboratoire qui fait ça. On a des turbidimètres qui ont pour principe, donc, ils envoient un rayon lumineux à travers donc l'échantillon de l'eau et on va donc mesurer ou bien le turbidimètre il mesure la capacité de réflexion. Donc qui dit une réflexion d'un rayon lumineux, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Cet obstacle, ce sont ces matières en suspension. Si l'eau elle est vraiment pure, ça veut dire qu'il ne va pas refléter mais qu'il va laisser pénétrer le rayon lumineux. Alors s'il y a une réflexion, le turbidimètre il mesure donc, cette réflexion, ça veut dire qu'il mesure la quantité de la pollution en matière en suspension existante dans les eaux. Et par la suite, on va se retrouver avec une concentration de matière en suspension. L'unité, s'il vous plaît, c'est le NTU, mais donc, lorsqu'on mesure la turbidité à travers un turbidimètre, l'unité, c'est le NTU. Unité nucléométrique, mais voilà, donc comme j'ai dit, on n'est pas concerné par ça. Normalement, le laboratoire, il vous
fait les mesures en termes de concentration. Donc, on fait la traduction du résultat sous forme d'une concentration. Il y a des équations à suivre et ainsi de suite. Et selon cette concentration, vous aurez une idée sur la quantité des matières en suspension contenues dans les rejets de votre activité. Et vous comparez toujours avec les paramètres définis par la législation. Un autre paramètre, ce sont les hydrocarbures. S'il vous plaît, n'oubliez pas que vous n'êtes pas forcément concerné par tous ces paramètres. Ça dépend de votre activité. Dans l'exemple de la loi que je vous ai mentionné, on a vu que chaque activité, normalement, elle a une liste de paramètres à contrôler. Les activités de pâte à papier, ils ont des paramètres à contrôler parce que voilà, donc la législation, elle se base sur des résultats réels. Donc, on connaît déjà quelle est la nature des rejets, quelle est la nature de la matière polluante. Ça veut dire, si vos rejets ne contiennent pas des hydrocarbures, donc vous n'êtes pas obligé de suivre ce paramètre-là. Donc, ça dépend de votre activité. Alors, les huiles minérales qui comportent des substances, pardon, donc des substances telles que les alcalins ou bien les alcanes, les alcènes et ainsi de suite. Donc, ce sont des composés qui augmentent l'alcalinité des eaux. Ils sont toxiques et peuvent limiter l'apport en oxygène dans les eaux de surface. Tout simplement, donc, quand on parle des hydrocarbures, ils sont toujours sous forme des huiles, par exemple, qui vont, voilà, après l'évacuation dans un milieu aquatique, ils vont former une couche qui, bien sûr, bloque l'accès des rayons lumineux. Et encore une fois, on va se retrouver avec un problème de perturbation de la photosynthèse et de l'auto-épuration de l'eau. Ça veut dire l'accumulation de la matière polluante, ça veut dire aussi la prolifération de certains types d'algues et ainsi de suite. Donc, ils sont toxiques et ils causent donc des problèmes en ce qui concerne la dissolution de l'oxygène dans l'eau de surface. Alors, les impacts, ils ont aussi des impacts sur la santé qui peuvent être importants au cas où les eaux consommées sont polluées par des hydrocarbures. On parle d'un effet sur le système neurologique ou bien un effet neurotoxique, les irritations des voies respiratoires et ainsi de suite. Et les hydrocarbures, ils sont mesurés dans l'eau par un test de fluorescence ultraviolet. Donc, le même principe un petit peu, c'est donc à travers l'envoi des rayons lumineux ultraviolets. Et voilà, donc dans un laboratoire, mais on est beaucoup plus concerné par le résultat. Donc, le résultat qui va être obtenu, on le compare avec, voilà, donc, je sais pas, donc, on le compare avec la réglementation. Ça n'empêche pas, donc, quand je vous dis le laboratoire, ça n'empêche pas qu'une entreprise, il peut toujours avoir ses propres appareils de contrôle de la qualité des rejets. Donc, on peut toujours contrôler en interne. Mais généralement, question de coût, question voilà, de financièrement, donc vous pouvez toujours faire renvoyer tout simplement des échantillons vers un laboratoire et comparer avec les paramètres ou bien les normes législatives. Pour la dureté, s'il vous plaît, encore une fois, c'est un paramètre qui concerne surtout les eaux destinées à l'alimentation humaine ou bien en ce qui concerne donc la vie aquatique. Mais les rejets, ils peuvent avoir des effets négatifs sur la dureté de l'eau. Ça veut dire, c'est de l'autre côté encore une fois, les rejets, ils peuvent causer donc une perturbation au niveau de la dureté de l'eau ou bien ce qu'on appelle le titre hydrométrique des eaux, l'ATH. Donc, vous n'êtes pas encore obligé de contrôler le titre hydrométrique, mais c'est juste pour savoir quels sont les paramètres de la qualité de l'eau que vos rejets peuvent donc impacter négativement. Bien sûr, s'ils ne sont pas traités comme il faut. Alors, la dureté d'une eau, il correspond à la somme des concentrations en cations métalliques
Ça veut dire les ions, tout simplement, Ca2+ et le magnésium, Mg2+. Alors, une eau dure, tout simplement, c'est une eau chargée en calcium et en magnésium, et on sait que ça cause des problèmes sanitaires au cas où ils sont consommés. Alors, vous, les rejets, si les rejets industriels sont déjà, représentent déjà une forte concentration en ions, ça veut dire qu'il va aussi, donc, augmenter la dureté de l'eau qui va, ou bien voilà, du milieu qui va recevoir donc cette pollution, du coup, ça va perturber la qualité de cette eau. Donc, c'est la teneur tout simplement en sels minéraux et en calcaire. Donc, la présence de ces deux cations dans l'eau tend souvent à réduire la toxicité des métaux. Donc déjà, c'est un petit peu un point qui est positif. Donc, ça réduit la toxicité des métaux, mais quand même, avec des concentrations qui sont assez importantes, ça représente une pollution. Donc, la dureté se mesure en milligrammes de chaux vives par litre. Donc, voilà, donc on mesure la quantité en milligrammes par litre. Voilà donc la dureté de l'eau, ou bien l'échelle de la dureté de l'eau. La pH, donc vous avez une eau trop douce, c'est entre 0 et 8, avec par exemple des rejets chargés en CaCO3, par exemple, on peut augmenter la dureté de l'eau jusqu'à 8, de 8 jusqu'à 15 par exemple, donc c'est toujours une eau douce, mais avec l'augmentation, ça va devenir une eau moyennement dure, et avec le temps, ça va devenir une eau très très dure. C'est pourquoi il y a aussi des traitements qui se font, des catalyseurs ou bien des traitements qui se font en fait pour éliminer ou bien pour réduire la quantité en Ca2+ ou bien en Mg2+. Mais ça, généralement, on le fait déjà dans les entreprises pour protéger les ouvrages de l'entreprise contre toute colmatation et ainsi de suite. Donc, voilà pour certaines activités. Un autre paramètre à contrôler, donc contrairement à la dureté, donc on ne la contrôle pas généralement, mais un autre paramètre à contrôler, donc j'ai mentionné pour le moment la température, le pH qui représente l'acidité de l'eau, j'ai mentionné les matières en suspension et maintenant la charge en matière organique. Alors la charge en matière organique, déjà, la matière organique, c'est quoi? Il correspond à la matière qui compose les êtres végétaux ou animaux et les micro-organismes. Donc, c'est la matière organique qui compose voilà, donc les animaux, l'être humain, par exemple, les micro-organismes. Je parle, par exemple, du carbone, je parle de l'azote et ainsi de suite. Donc, cette matière organique, c'est aussi une source de pollution, bien qu'elle soit biodégradable. Il représente également une source de pollution, notamment les conserveries de poissons, donc tout ce qui est reste des épluchures, des têtes, des équeues, c'est une pollution organique. Je parle aussi des industries céréales, par exemple, les industries laitières. Donc tout ça, ce sont des entreprises qui génèrent des rejets fortement chargés en matière organique. Alors la matière organique, est composé essentiellement du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, plus de faibles quantités en nutriments tels que par exemple l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre et ainsi de suite. Donc, si la quantité elle est optimale, il respecte les normes réglementaires, ça veut dire que voilà, donc, on reste dans le cadre du cycle naturel, quoi. Mais, parce que ce sont des nutriments, ils sont importants. Mais lorsque les teneurs dépassent les normes, alors là, on peut parler d'une pollution. Et ces polluants, s'il vous plaît, en matière organique, ils peuvent augmenter la turbidité des eaux et créer ce qu'on appelle un phénomène d'eutrophisation. On parle ici, donc c'est pourquoi je vous ai abordé la turbidité. C'est pourquoi je vous ai parlé de la turbidité. Parce que
Si vous avez des rejets chargés en matière organique en suspension ou bien matière organique en grossière, ça veut dire avec une taille qui est grande. Donc là, ça cause donc ce qu'on appelle, ou bien ça augmente la turbidité de l'eau et ça cause aussi ce qu'on appelle un phénomène d'eutrophisation avec la diminution de la quantité d'oxygène des sous. Quand je dis l'oxygène des sous, c'est quelque chose qui est important pour garder toujours la qualité de vie des êtres vivants dans le milieu qui va recevoir les rejets. Et quand je parle, s'il vous plaît, de l'eutrophisation, c'est la détérioration d'un écosystème aquatique par la prolifération de certains végétaux. Je vais vous expliquer. Donc, certains végétaux, ou bien certains, donc, surtout les algues, certaines espèces végétales, avec l'augmentation de la teneur en matière en suspension et la matière organique, on ne va pas avoir une photosynthèse qui est correcte, qui est suffisante pour l'auto-épuration de l'eau. Alors, certains éléments végétaux ou bien certaines espèces végétales, ils vont se proliférer. Ça veut dire une prolifération, c'est une multiplication rapide d'êtres vivants qui n'est pas contrôlée. Donc, c'est quand même, donc il y a un certain équilibre. Ça veut dire avec l'augmentation rapide et la multiplication rapide des algues et de certains végétaux, on va causer ce qu'on appelle l'eutrophisation. Ça veut dire la détérioration de l'écosystème aquatique à cause de l'augmentation de ces végétaux. Qui dit algues, qui dit l'augmentation excessive, non contrôlée de certaines espèces végétales, dit aussi qu'on va bloquer encore une fois le passage des rayons solaires. Donc l'eau, elle va devenir fortement polluée. Donc, aucune vie aquatique. Alors, c'est pourquoi il est important de contrôler la quantité des matières organiques contenues dans, bien sûr, les rejets que vous allez rejeter dans le milieu naturel. La même chose, si vous faites ces rejets sur le sol, s'il y a une matière organique qui est grossière, donc de grande taille, ce sont des déchets solides. Donc, normalement, avant de faire les traitements physico-chimiques, il faut faire un traitement physique, ça veut dire par dégrillage, par décantation, pour déjà éliminer donc la pollution grossière. Et ces éléments, on va les traiter avec les déchets solides, tout simplement. Alors, la pollution organique, c'est une pollution provoquée par les polluants carbonés, comme la matière organique, lisier, boue d'épuration. Donc, même les boues d'une station d'épuration, ils causent une pollution. C'est pourquoi je vous ai dit au début qu'on va voir certaines méthodes de traitement des boues. Et d'ailleurs, certaines méthodes de traitement des boues, ils se croisent ou bien ils se rencontrent avec certaines techniques de traitement des déchets qu'on a mentionnées. Lorsqu'on a parlé du compostage, lorsqu'on a parlé de la biométhanisation, nous avons dit qu'on peut aussi utiliser donc les boues de stations d'épuration comme étant des éléments qui vont alimenter ou bien des déchets solides qui vont alimenter les processus de compostage et les processus de biométhanisation. Alors, la charge en matière organique, il y a deux méthodes en fait utilisées pour évaluer la quantité en matière organique présente dans l'eau. Que ce soit en interne dans votre laboratoire interne de contrôle, si vous avez un, sinon dans un laboratoire tout simplement spécialisé. Mais dans les deux cas, il faut comprendre ces paramètres. Alors, deux méthodes permettent d'évaluer la quantité en matière organique présentes dans l'eau sont généralement utilisées. D'abord, vous avez la demande biochimique en oxygène, ce qu'on appelle la DBO. On parle de la DBO, on parle aussi de la DBO5, ça veut dire la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours.
Je vais expliquer de quoi il s'agit. Alors ici, s'il vous plaît, la DBO5, c'est quoi? C'est que vous avez normalement des rejets chargés en matière organique. Qui dit matière organique dit des nutriments. Donc des nutriments, ça veut dire que on va tout simplement développer des micro-organismes, donc des bactéries qui profitent de l'existence des nutriments, qui vont consommer ces nutriments, dégrader cette matière organique. Donc, ces micro-organismes, normalement, ils consomment de l'oxygène, ils respirent. Donc, puisqu'ils consomment de l'oxygène, si on arrive à mesurer la quantité d'oxygène consommée, on va faire donc un petit calcul et on va en déduire la quantité de la pollution contenue dans l'eau. Si par exemple, cette eau, voilà, donc on va alimenter en oxygène et on constate que la quantité d'oxygène, elle est rapidement et excessivement consommée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forte activité bactérienne. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de nutriments pour développer cette forte activité bactérienne. Ça veut dire tout simplement que la concentration de la matière organique, par contre, si la demande biochimique en oxygène n'est pas assez importante, la demande biologique ou bien biochimique n'est pas assez importante, ça veut dire que la pollution, il y a la concentration de la pollution, et n'est pas assez importante. D'où vient le paramètre DBO ou bien la DBO5? Pourquoi la DBO5? Parce que généralement, on mesure donc la quantité d'oxygène consommée sur une durée de 5 jours. Donc, c'est une durée qui a été définie après donc, plusieurs expérimentations dans le laboratoire par les experts et par les connaissants dans ce domaine. Sinon, s'il vous plaît, la demande biochimique en oxygène, il se mesure d'une façon naturelle. Ça veut dire on souffle de l'oxygène et on attend pour mesurer quelle est la quantité d'oxygène consommée. On peut, par contre, faire une mesure d'une façon chimique. Ça veut dire une demande, on va mesurer la DCO, la demande chimique en oxygène. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser les micro-organismes. Ce n'est pas un processus biologique. Par contre, on va prendre l'échantillon de l'eau ou bien des rejets liquides. On va rajouter des composés chimiques qui dégradent la matière organique. Ce ne sont pas des micro-organismes, mais ce sont des composés chimiques qui dégradent la matière organique et qui consomment de l'oxygène pour faire cette dégradation. Ça veut dire que ce sont des réactions chimiques. Vous avez un composé chimique, en se couplant avec l'oxygène, il va dégrader la matière organique. Ce n'est pas un processus naturel, mais c'est un processus surtout chimique. Ce n'est pas un processus biologique, mais c'est un processus chimique. Il n'y a pas un micro-organisme, il y a un composé chimique qui fonctionne juste en présence d'oxygène. Alors, tant que ce produit chimique, il consomme de l'oxygène, il dégrade la matière première, on peut calculer la quantité d'oxygène consommée et ça va nous donner encore une fois une idée sur la quantité de la pollution contenue dans l'eau. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la demande chimique en oxygène. Donc, que ce soit la DBO5, la DBO ou bien la DCO, ce sont des paramètres aussi de contrôle de la qualité des rejets et de la qualité de l'eau en général, même pour l'eau potable, et ainsi de suite, l'eau d'irrigation. Alors, ces paramètres, vous les trouverez encore une fois dans la législation nationale et internationale en vous indiquant les seuils à ne pas dépasser. Et on va aborder aussi ces seuils par la suite. Alors, ces deux méthodes, s'il vous plaît, elles se basent sur la différence entre la teneur en oxygène des sous initiales et la teneur en oxygène des sous finales après oxydation de la matière organique présente dans un échantillon de l'eau. D'abord, je vais expliquer c'est quoi l'oxygène dissous. Alors, l'oxygène dissous, s'il vous plaît, ou bien le pourcentage de saturation en oxygène, c'est tout simplement la quantité d'oxygène présente
non pas sous forme gazeuse, mais dans l'eau. Donc, il est dissous et il est soluble dans l'eau. Et c'est l'oxygène qui est consommé par les êtres vivants aquatiques pour respirer et ainsi de suite. Alors, les concentrations, s'il vous plaît, en oxygène dissous, ils constituent un paramètre qui est très important, qui reflète la qualité de l'eau pour la vie aquatique et aussi pour la consommation humaine. Donc, toute perturbation, ça va causer des problèmes. Alors, globalement, plus la concentration d'oxygène dissous est proche de la saturation, plus l'aptitude d'une rivière, par exemple, à absorber la pollution est grande. Et c'est logique. Donc, lorsque la quantité d'oxygène dans l'eau augmente, l'activité de respiration des micro-organismes augmente. Du coup, ils auront besoin de plus de nutriments. Les nutriments, ce sont tout simplement les matières organiques polluantes. Donc, ils vont dégrader ces matières organiques. Ils vont transformer la matière organique en matière minérale. Donc, c'est le processus de l'auto-épuration des eaux. Alors, lorsque la quantité d'oxygène dissoute dans l'eau est proche de la saturation, l'aptitude du milieu aquatique à absorber la pollution, elle est grande. Alors, on parle généralement qu'une valeur inférieure à 1 mg d'oxygène, donc juste à titre d'information, donc lorsque la valeur d'oxygène dissous est inférieure dans l'eau à 1 mg d'oxygène par litre, bien sûr, ça indique donc qu'on s'approche en fait de ce qu'on appelle une étape anaérobique. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la biométhanisation, nous avons dit qu'en absence d'oxygène, on risque de tomber dans une biométhanisation. Ça veut dire la production donc du méthane et des alcools. Et c'est une pollution. Alors, lorsque l'oxygène il est vraiment très rare, on va déclencher dans l'eau une pollution, pardon, un processus de biométhanisation, une fermentation tout simplement. Et qui dit fermentation dit une pollution, donc une odeur qui n'est pas vraiment agréable, des micro-organismes qui sont toxiques et ainsi de suite. Donc l'oxygène des sous, il est très, très, très important. Voilà, dans l'eau. Alors, s'il vous plaît, lorsque les processus d'oxydation des déchets minéraux contenus dans l'eau et de la matière organique consomment plus d'oxygène, celui signifie qu'il y a une grande quantité de pollution. Ça veut dire quoi? La DBO5 et la DCO, que ce soit par voie biologique, ça veut dire la DBO, ou bien par voie chimique, ça veut dire la DCO. Il repose sur la mesure de cette quantité d'oxygène dissoute dans l'eau. Vous avez l'échantillon à l'état initial, l'échantillon des rejets à l'état initial. On mesure la quantité d'oxygène dissoute. Après un certain moment, on va laisser par exemple pendant 5 jours, on va mesurer encore une fois la quantité d'oxygène finale. En faisant la différence, on aura une idée sur la quantité d'oxygène consommée. Et cette quantité d'oxygène consommée, il reflète la quantité de la pollution organique contenue dans l'eau. Alors, c'est ça la relation entre, en fait, la DCO et la DBO5 et entre la quantité d'oxygène dissoute. Donc, ces deux méthodes, ils reposent sur la mesure de cette quantité d'oxygène. Alors, pour définir concrètement ces deux paramètres importants, la demande biochimique en oxygène, la DBO, elle représente la quantité d'oxygène utilisée par les bactéries pour décomposer les matières biochimiques oxydables. Pour nous, les matières biochimiques oxydables, c'est la pollution présente dans l'eau et qui constitue leur source de carbone. Alors, la DBO, c'est tout simplement la quantité consommée par les bactéries, la quantité d'oxygène dissoute consommée par les bactéries dans cet échantillon de l'eau pour décomposer la pollution contenue dans cette eau. Quant à la DCO, pardon, la demande chimique en oxygène, elle correspond
à la quantité d'oxygène nécessaire pour la dégradation, mais cette fois-ci par voie chimique, donc pas de bactéries, mais par composé chimique, effectuée à l'aide d'un oxydant puissant. Donc on va rajouter un oxydant qui oxyde la matière, un oxydant chimique qui oxyde la matière organique, et on va voir combien d'oxygène cette opération a consommé, donc pour décomposer la pollution. La pollution, lorsqu'elle est élevée, bien sûr que ça va demander plus de quantité d'oxygène. Et lorsque la pollution est réduite, on va consommer juste une petite quantité d'oxygène pour dégrader cette pollution. Alors, par exemple, lorsque je vous ai mentionné la DBO5, s'il vous plaît, surtout la DBO5, c'est pour surtout les eaux domestiques. Donc, les eaux domestiques, par exemple, vous avez des composés qui sont organiques, ou bien plutôt, ils sont fortement chargés en composés organiques. Et dans 5 jours, on aura la dégradation totale de cette pollution organique. C'est pourquoi on parle, dans le cadre d'une pollution domestique ou bien des rejets domestiques, de la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. Ça veut dire, c'est l'indicateur donc qui correspond à la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes décomposeurs pour digérer et minéraliser en 5 jours la matière organique présente dans un litre d'eau polluée. Et que ce soit pour l'ADCO, la DBO5 ou bien la DBO, donc la quantité de la pollution, elle est exprimée en milligrammes par litre. Ou bien plutôt la quantité, s'il vous plaît, de l'oxygène des soutes nécessaire pour la dégradation, elle s'exprime en milligrammes par litre. Voilà donc en ce qui concerne, j'espère que c'est clair pour la DBO et la DCO, parce que ce sont des paramètres vraiment très importants lorsqu'on aborde les rejets, lorsqu'on aborde en général la qualité de l'eau. Alors, s'il vous plaît, pour résumer, ces deux paramètres, ce sont des paramètres qui permettent de mesurer la teneur en matière organique, voilà, dans l'eau, dans l'échantillon des rejets, y compris celles qui ne sont pas dégradables par les bactéries. Ça veut dire, si jamais il y a des composés qui ne sont pas dégradables par les bactéries, on peut utiliser la voie chimique, c'est l'ADCO. Et la différence entre les deux, c'est que, donc la différence entre la DCO et la DBO5, c'est que, donc voilà, c'est tout simplement lorsque, donc il y a des composés, comme j'ai dit, qui ne sont pas dégradables par les micro-organismes et par les bactéries, donc on va utiliser la voie chimique qui constitue donc aussi une mesure indicative de la dégradabilité, mais par voie chimique, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu clair en ce qui concerne ces deux paramètres, comme j'ai dit, ce sont des paramètres qui sont très importants. Pardon. Voilà. Et on va voir aussi quelles sont les teneurs qu'il ne faut pas dépasser, que ce soit à l'échelle nationale ici au Maroc ou bien en international. On va faire une petite comparaison entre les teneurs à ne pas dépasser. Alors, votre mission à vous, c'est de faire un suivi aussi de la quantité de la DBO ou bien la DCO selon donc la nature de la matière dégradable existante dans les rejets de votre entreprise et de comparer avec les paramètres législatif, donc vous faites un suivi. Maintenant, les métaux lourds, pour certaines activités, les rejets, ils contiennent une certaine concentration de métaux lourds. Donc, c'est un suivi qui est important, qui est particulièrement important, parce que les métaux lourds, comme vous savez, ils sont toxiques, ils ont donc une capacité de s'accumuler le long des chaînes alimentaires. Donc,
Par exemple, si vous avez des poissons dans une rivière, vous avez une entreprise qui génère des rejets fortement chargés ou bien qui ne respecte pas les normes en ce qui concerne la teneur en métaux lourds, vous avez une grande pollution. Normalement, donc, ces poissons, ils vont consommer cette eau qui est toxique. Et lorsque l'homme aussi consomme ces poissons, on aura une accumulation aussi au niveau donc, de toute la chaîne alimentaire. Donc, bien que c'est le premier donc, élément de la chaîne alimentaire qui consomme les métaux lourds, on peut se retrouver avec une accumulation jusqu'à donc, le sommet de la pyramide alimentaire qui est l'homme. Donc, ça va causer aussi des effets négatifs sur la santé de l'homme. Alors, contrairement aux polluants organiques, les métaux lourds ne peuvent pas être dégradés biologiquement ni chimiquement. Donc, il n'y a pas d'où vient leur dangerosité. Donc, on ne peut pas les dégrader par voie biologique, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des boues activées par des micro-organismes pour les dégrader, pardon. Par exemple, pour traiter la pollution organique dans les stations d'épuration, on utilise des boues activées par des micro-organismes. Ces micro-organismes, ils vont dégrader tout simplement la matière organique. Mais pour les polluants en métaux lourds, ce n'est pas faisable parce qu'ils ne sont pas biodégradables et ils ne sont pas aussi chimiquement dégradables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter un composé chimique, puissant, un oxydant par exemple, pour les dégrader, d'où vient leur dangerosité. Alors les concentrations en cuivre, en nickel, en chrome, le plomb, le zinc, le cadmium et l'arsenic sont régulièrement mesurés. Alors si les rejets de votre entreprise contiennent des concentrations en métaux lourds, que ce soit le cuivre, le nickel, le chrome et ainsi de suite, donc il faut toujours les mesurer d'une façon qui est régulière et comparer encore une fois avec les paramètres. Donc pour chaque composé, pour chaque composé lourd, vous aurez donc une teneur, une concentration à ne pas dépasser. Alors les métaux lourds se dissolvent très bien dans l'eau, se précipitent et s'accumulent principalement dans la phase solide, dans les eaux. Donc, ils ont une capacité de se dissoudre dans l'eau. Du coup, donc, comme j'ai dit, ils s'accumulent à travers la chaîne alimentaire. Alors, comment peut-on mesurer cette fois-ci les métaux lourds? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ils s'accumulent dans la phase solide. Donc, tout simplement, l'analyse des boues, il permet d'obtenir une vue d'ensemble sur donc, les déversements des métaux lourds qui ont eu lieu et qui peuvent donc, et ça peut peut-être donner surtout une idée sur la nature et la quantité de ces métaux lourds. Ça veut dire, vous avez des rejets, on a fait l'évacuation de ces rejets dans un milieu naturel, généralement pour savoir quel type de métaux lourds on a comme pollution, on va prendre les boues. Parce qu'ils s'accumulent au niveau des boues, on va faire une analyse, on va donc avoir une idée sur la nature des boues et sur aussi sur la nature des polluants, des métaux lourds, et c'est aussi donc la quantité de la pollution. Alors là, s'il vous plaît, ce sont donc les paramètres les plus importants, donc les paramètres qu'il faut contrôler en ce qui concerne la qualité des eaux. Par la suite, comme j'ai dit, on va revenir vers la réglementation nationale et internationale pour voir quels sont vraiment les seuils et on va voir aussi quelles sont les méthodes surtout de traitement. Donc, si jamais on a fait une comparaison avec les paramètres et qu'il s'est avéré qu'on est dans une non-conformité, on a fait un audit environnemental et on s'est retrouvé avec des non-conformités. Quels sont les moyens de traitement, que ce soit pour la pollution organique, les métaux lourds, les matières en suspension ou autres.
C'est ce qu'on va commencer maintenant. Donc, on va passer directement, pardon, aux procédés de traitement des eaux. Donc, les procédés physico-chimiques et les procédés chimiques. Alors, il faut bien, s'il vous plaît, signaler avant de passer aux procédés de traitement des eaux, qui va pour les stations d'épuration, c'est-à-dire les grandes stations d'épuration des eaux, va aussi pour les stations internes. Parce que, comme j'ai dit, il y a des industries qui ont déjà des stations d'épuration internes pour traiter les rejets. Il y a aussi d'autres, donc, ou bien pour faire un pré-traitement et ainsi de suite. Il y a aussi, donc, des entreprises qui font juste le pré-traitement, ça veut dire le dégrillage et ainsi de suite, mais pour le reste des étapes, on va pomper donc les rejets vers les stations d'épuration. Mais ça reste toujours les mêmes procédés, les mêmes étapes, ce sont les techniques qui se diffèrent d'une station à une autre. Alors, s'il vous plaît, l'objectif et le principe de l'épuration des eaux usées. Ou bien plutôt l'objectif, pardon, principal, c'est l'épuration des eaux usées. Ça veut dire donc la conformité aux paramètres réglementaires qui représentent normalement les paramètres de protection de l'environnement. Alors, on va voir quels sont les objectifs, quel est le principe de l'épuration des eaux usées. On va voir la classification des systèmes d'épuration, à savoir le pré-traitement, en quoi consistent les pré-traitements, quelles sont ces étapes, ces techniques. Le traitement primaire, la même chose. Quels sont les procédés de traitement primaire des eaux usées. On va voir le traitement secondaire et le traitement tertiaire. Par la suite, on va passer au traitement de l'eau. Pardon. Juste pour éviter les perturbations, s'il n'y a pas de questions. Voilà, donc on va voir la classification, comme j'ai dit, des systèmes d'épuration, quelles sont les étapes, les grandes étapes, et chaque étape, il consiste en quoi. Par la suite, on va voir les procédés de traitement des boues, ça veut dire vers la fin, les déchets de la station d'épuration. Qu'est-ce qu'on va faire par ces déchets, comment les traiter, comment les valoriser peut-être. Donc, on va voir aussi le traitement des eaux. Comment peut-on le faire? Alors ici, juste donc un petit rappel rapidement. Donc, les eaux naturelles, on parle de l'eau de surface, de l'eau souterraine et de l'eau de mer. Et on a aussi les eaux saumâtres. Donc, les catégories de l'eau. Donc, vous avez une petite catégorie des eaux potables. Voilà. Mais ce qui nous concerne, ce sont les eaux industrielles. Donc, les eaux industrielles, les rejets de l'industrie, ça comporte les eaux de chaudière. Donc, n'oubliez pas qu'on a parlé de la température. Donc, il y a aussi une pollution thermique, les eaux de refroidissement et les eaux de fabrication. Donc, tout ça, ce sont des catégories des rejets qu'on va bien sûr traiter dans les stations d'épuration. Donc, ce sont tout simplement les effluents industriels. Donc, après traitement, on aura bien sûr des eaux traitées qu'on peut évacuer tout simplement dans la nature. Pas forcément qu'elles seront des eaux potables. Donc, on fait un traitement, ça ne veut pas dire que l'eau il va devenir potable, mais quand même, il va devenir peut-être parfois, on va donc faire un deuxième traitement pour utiliser cette eau pour l'irrigation. Des stadiums, par exemple, du golf et ainsi de suite. Mais on parle d'eau traitée, ça veut dire qu'il respecte les paramètres et qu'il ne va pas causer des perturbations au niveau de l'équilibre des écosystèmes. Et on va se retrouver avec les eaux industrielles qu'il faut aussi traiter. Donc voilà, relativement aux paramètres que nous avons vus tout à l'heure, les eaux industrielles sont chargées par plusieurs polluants. Donc notamment, il y a des substances comme les hydrocarbures, les essences, les huiles et le fioul.
Donc là, on a parlé du paramètre teneur en matière, ou bien plutôt teneur en hydrocarbures. Donc c'est un paramètre à contrôler si vous faites partie des activités suivantes. Les activités de transport routier, les industries, voilà, donc de tout ce qui est pétrole. Vous avez également, s'il y a par exemple une situation de déversement ou bien d'accident pétrolier, les fuites lors des déchargements des pétroliers. Vous avez aussi le lessivage par la pluie des zones urbaines, par exemple le parking, les routes et ainsi de suite. Donc, ce sont des rejets origine des hydrocarbures. Alors, l'effet pour comprendre donc quel est voilà donc l'effet négatif ou bien quel est l'impact négatif de ces rejets. S'il vous plaît, parlons de l'impact lorsqu'on a abordé l'évaluation environnementale et l'analyse des aspects et des impacts. Nous avons dit qu'il faut détailler un petit peu au niveau des impacts. Par exemple, au niveau de la grille d'évaluation, on a parlé des rejets liquides. Aspect rejets liquides, impact, pollution, par exemple, du sol ou bien pollution de l'eau, de surface et ainsi de suite. Mais il faut préciser, notamment, est-ce qu'il s'agit des rejets fortement chargés en hydrocarbures? Alors là, je peux dire que l'impact, c'est l'altération des mécanismes, par exemple physiologiques, des êtres vivants. Est-ce qu'il s'agit des métaux lourds? Alors, on peut parler d'un effet sur les animaux, ça ralentit leur croissance. Voilà, donc vous avez ici les métaux lourds par ordre de nocivité croissante. Donc, le premier le plus nocif jusqu'à le dernier. Donc, on a un ensemble de métaux lourds qu'il faut contrôler si vraiment les rejets déjà sont chargés par ces métaux. Alors, le premier enjeu, c'est de savoir déjà la nature de la pollution. Et le deuxième, c'est de savoir est-ce qu'on est conforme donc à la réglementation nationale ou pas. Les métaux lourds, ça provient des industries de transport, encore une fois, les industries métallurgiques et pétrochimiques. Vous avez les industries de peinture, voilà, de carénage et des bateaux, et ainsi de suite. Les pesticides et les insecticides, donc tout ce qui est utilisation domestique et agriculture. Vous avez également les composés azotés et phosphatés, ce qui va causer une pollution donc minérale de l'eau, donc avec des matières organiques, une pollution surtout organique de l'eau. Donc vous avez par exemple l'agriculture, l'aquaculture, les industries agroalimentaires et les eaux usées domestiques. Vous constatez, s'il vous plaît, peut-être que ces origines ou bien ces activités, ils sont toutes assujetties aux études d'impact. C'est pourquoi, en fait, déjà, ce type d'activités, ils sont sujets d'études d'impact. Il y a d'autres raisons, bien sûr, mais parmi les raisons pourquoi la réglementation a obligatoirement, voilà, donc il a obligatoirement poussé les entreprises à faire des études d'impact sur l'environnement s'ils font partie de cette catégorie, parce que donc ils comportent des matières polluantes qui sont très importantes. Par exemple, ici pour les rejets, on parle de métaux lourds, on parle de pesticides et ainsi de suite. Les détergents aussi, donc c'est une source de pollution, les eaux usées domestiques et industrielles. Donc, bien que par exemple vous avez une entreprise commerciale et que vous ne manipulez pas des produits chimiques ni des métaux lourds et ainsi de suite, mais vous aurez toujours une fraction de rejet en relation avec le nettoyage, l'utilisation des détergents et ainsi de suite. Ça peut causer, ou bien plutôt ça peut affecter les plantes, les algues, il va amplifier la prolifération des algues si donc ils sont combinés avec les hydrocarbures. Donc les détergents aussi, c'est une source de pollution. Et puis vous avez les matières en suspension dont je vous ai parlé dans les paramètres, donc les eaux usées domestiques, le lessivage des sols industriels et ainsi de suite, les chantiers BTP, et ça va causer donc la diminution d'apport de lumière comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors,
Alors, les industries peuvent choisir entre parmi trois modes de décoration pour les effluents à queue. Donc, en ce qui concerne le traitement des rejets, vous avez en général trois modes d'épuration. D'abord, le rejet en milieu naturel après traitement par une station d'épuration autonome. Ça veut dire interne au site industriel, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez toujours avoir une station d'épuration. Bien sûr, pour proposer cette solution, il faut que déjà la pollution elle soit importante pour être logique et que ça entre dans la capacité en termes de coûts, en termes de la capacité économique de l'entreprise. Donc, vous pouvez avoir une station d'épuration autonome, ça veut dire interne au site industriel. Interne au site industriel, pas forcément juste interne à l'entreprise, mais on se retrouve parfois par des complexes, on se retrouve devant des complexes industriels, des parcs industriels. Donc, on peut avoir une station d'épuration interne à ce complexe ou bien à ce parc industriel. Sinon, vous pouvez aussi donc confier les rejets auprès, généralement après un pré-traitement, parce que s'il vous plaît, même si on va pomper les rejets vers une station d'épuration, voilà publique par exemple et collective, mais il faut faire un pré-traitement à l'avance parce que pour pomper, ça veut dire que l'eau ou bien les rejets, ils vont être pompés à travers des tuyaux, à travers des canaux. Donc, il faut aussi protéger les ouvrages de la station d'épuration. Donc, si vous avez par exemple signé un contrat avec l'IDEC, avec l'ONEP, selon la société ou bien la société qui prend en charge en fait les rejets, vous devez faire un pré-traitement parce que pour eux, ils ont un cahier de charge et dans ce cahier de charge, vous devez faire tout pré-traitement nécessaire pour protéger leurs ouvrages contre les colmatages, contre les détériorations, contre l'abrasion, contre la corrosion et ainsi de suite. Alors, vous avez, après généralement un pré-traitement sur le site industriel en réseau d'assainissement aboutissant à une station d'épuration collective industrielle ou bien le plus fréquemment urbaine avant rejet au milieu naturel. Donc, il y a quelques stations d'épuration collective qui acceptent les rejets industriels et les rejets aussi donc domestiques. Et vous avez la toute dernière solution, c'est l'épandage des effluents liquides sur le sol, les sols agricoles. Par exemple, vous avez des rejets chargés en matière organique, bien sûr, ne doivent pas contenir une pollution aux métaux lourds ou bien aux produits chimiques. Donc, cette matière organique, on peut, en absence de station d'épuration, tout simplement faire l'épandage des effluents liquides sur le sol agricole dans les règles de l'art pour protéger donc l'environnement contre les nuisances et pour protéger aussi la santé. Et on va voir donc cette solution de l'épandage au fur et à mesure avec l'avancement de notre formation. Alors, on va passer maintenant à la classification des systèmes d'épuration. Alors, on va commencer par la grande étape qui est le pré-traitement. Alors, le pré-traitement, comme j'ai dit, c'est une étape qui se fait en interne à l'entreprise lorsque l'entreprise va opter pour une station externe. Donc, avant de pomper les rejets, on fait un pré-traitement. Mais au niveau aussi des stations, on fait toujours un pré-traitement. Voilà, donc, principe de prévention, principe de précaution, quoi. Donc, on fait toujours un pré-traitement des rejets. En quoi consiste ce pré-traitement? Donc, vous avez un réseau d'eau usée, ça veut dire la source d'eau usée, que ce soit interne ou bien après un pompage vers une station. Nous avons toujours des éléments grossiers. Nous avons des matières de grosse taille, par exemple des bouts de papier, des bouts de carton. Vous avez des matières organiques, des restes de matières premières, donc les éléments grossiers. Alors, le premier traitement consiste à faire un dégrillage. Donc, on va faire un dégrillage pour enlever
les déchets solides de grande taille. Donc, on va dégriller, on va faire donc un dégrillage ou bien donc un tamisage et ainsi de suite pour enlever déjà la matière grossière donc qu'on peut voir à l'œil nu. On va faire par la suite un désablage, ça veut dire qu'on va, pour le pré-traitement, éliminer les sables contenus dans l'eau. Les sables, s'il vous plaît, c'est question de pollution, c'est une matière en suspension, mais c'est aussi question de protection des ouvrages contre l'abrasion. Donc, les ouvrages de la station d'épuration, ils tournent, donc ils fonctionnent, et avec l'existence des particules en sable, ça peut causer donc la détérioration de l'état des ouvrages de la station. Donc, il faut faire un désablage pour protéger l'environnement et pour protéger aussi donc les ouvrages de votre station d'épuration. Par la suite, il faut éliminer les huiles. Ça veut dire qu'il faut faire un déshuilage pour éliminer les graisses. Donc, la pollution par des huiles, par exemple pour les entreprises toujours de conserverie de poissons, donc il y a des huiles et des traces des huiles dans voilà, dans les rejets. Donc, il faut faire un déshuilage, il faut éliminer tout simplement les graisses. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le pré-traitement. Donc, le pré-traitement, c'est le dégrillage, le désablage et le déshuilage. On va maintenant détailler ces étapes. Commençons par l'étape dégrillage. Alors, s'il vous plaît, le dégrillage, généralement, il est réalisé par le passage des eaux usées à travers une grille caractérisée par l'écartement de ces barreaux. Donc, généralement, il y a des standards à respecter, bien sûr. Donc, selon le constructeur, vous pouvez demander des grilles, voilà, donc auprès d'un constructeur connu. Généralement, ce sont les constructeurs allemands, je pense, qui sont très connus dans le domaine des stations d'épuration. Peu importe. Donc, les dégrilleurs, généralement, ils doivent représenter pour faire un dégrillage grossier un diamètre, ou bien plutôt, ce n'est pas le diamètre, mais c'est l'écartement entre les barreaux, allant de 30 jusqu'à 100 mm pour le dégrillage grossier. Pour le dégrillage moyen, parce qu'il faut passer par des grilles, donc avec un écartement assez grand, par la suite, on passe à un dégrillage moyen, donc de 10 jusqu'à 25, et puis un dégrillage fin de 3 jusqu'à 10 mm d'écartement entre les barreaux. Alors, les dégrilleurs, s'il vous plaît, ils assurent la protection des équipements électromécaniques des ouvrages. Ils réduisent les risques de colmatage des conduits mis en place dans la station d'épuration. Voilà, donc je pense que c'est clair pour ne pas causer un bouchage et ainsi de suite. Et ce sont donc les refus de l'étape des grillages. Ils sont considérés comme des déchets solides et ils vont subir les traitements que nous avons déjà vus, que ce soit une simple élimination dans un site d'enfouissement technique ou bien une décharge contrôlée, ou bien une biométhanisation, ou bien un compostage. Le désablage maintenant. Pour faire le désablage, il vous faut un désableur. Donc l'ouvrage qui consiste ou bien qui fait cette opération, on l'appelle le désableur. Et c'est un ouvrage dans lequel les particules denses vont pouvoir se déposer. Alors déjà, vous avez, s'il vous plaît, la géométrie de ce désableur, il favorise la décantation. Donc, sa forme conique, donc vous voyez sur la photo en bas, ici, nous avons un désableur sous forme conique. Donc, la forme déjà, il favorise, voilà, la décantation des particules denses. Quand je parle de particules denses, je parle des sables bien particulièrement parce que sous l'effet de la pesanteur, ils vont s'accumuler vers le fond et par la suite, on va les soustraire tout simplement du fond de notre désableur. Donc, c'est un traitement physique qui repose juste sur l'effet de la pesanteur. Donc, l'effet naturel de la pesanteur,
on laisse la matière décanter dans le dessableur. Et comme j'ai dit, sa géométrie, il favorise donc cette décantation et on va éliminer tout simplement donc les sables. Il est souhaitable de récupérer les sables en amont de la station plutôt que de les laisser s'accumuler en certains points, dans les bassins d'aération par exemple. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est un pré-traitement, ça veut dire avant même de pomper vers la station ou bien avant d'entrer dans les vrais traitements d'épuration pour éliminer la pollution. Et on va faire donc ce dessablage. Pourquoi? Parce qu'il engendre, par exemple, si je laisse passer les sables vers les bassins d'aération, on va voir les bassins d'aération par la suite. Si je laisse donc ces sables se propager vers les bassins d'aération, ils peuvent engendrer des désordres divers. Par exemple, ils limitent la durée de vie des pièces métalliques, des corps de pompe, par exemple, ou bien d'autres appareillages. Donc, c'est tout simplement l'effet abrasif. Donc, ils vont causer donc l'abrasion des ouvrages métalliques de la station. Donc, ils diminuent leur durée de vie. S'il vous plaît, les dessableurs, ce n'est pas juste ça. Donc, aujourd'hui, au niveau des techniques, il y a plusieurs techniques, plusieurs ouvrages. Mais moi, je vous donne donc les techniques les plus répandues, les plus utilisées. Un dessableur, ce n'est pas toujours cette géométrie. Vous pouvez trouver d'autres techniques. Aujourd'hui, dans le marché, il y a plusieurs techniques. Mais je vous donne ce qu'il faut savoir et je vous donne donc la méthode la plus répandue et la plus utilisée. Donc, voilà le dessableur. Ça, c'est un dessableur des huileurs, s'il vous plaît. Ça veut dire, à travers cet appareil, eh bien, pardon. À travers cet équipement, on va faire à la fois l'étape de dessablage et l'étape de déshuilage. Alors, en quoi consiste? Techniques, vous avez d'abord, on a fait un dégrillage, c'est-à-dire on a éliminé les matières grossières. Depuis le dégrilleur, les eaux ou bien les rejets industriels vont être pompés vers cet ouvrage-là qui s'appelle un dessableur déshuileur. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'abord? Nous avons ici, s'il vous plaît, sous l'effet de la pesanteur toujours, les matières qui sont légères, ils vont tout simplement, donc on va laisser un certain temps, les matières légères, ils vont tout simplement flotter vers la surface de notre ouvrage. Donc ici, vous avez généralement les graisses et les huiles. Donc les graisses et les huiles, ils vont flotter. Donc, sous l'effet d'un apport d'air, donc on va souffler de l'air dans notre ouvrage, les matières légères, les graisses et les huiles remontent à la surface du bassin. Elles sont assemblées à l'aide d'un racleur et évacuées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner un apport en air. Pourquoi? Donc, l'air, normalement, lorsqu'on va faire rentrer de l'air dans notre dessableur déshuileur, il va monter parce que l'air est plus légère que l'eau. Donc, il va monter et il va ramener avec lui les matières qui sont légères, comme les graisses et les huiles, qui vont flotter sur la surface et par la suite racler par un racloir de surface, donc qui tourne, et par la suite, on va les éliminer tout simplement. Donc, c'est l'étape déshuilage. Quant aux sables, encore une fois sous l'effet de la pesanteur, ils vont se déposer vers le fond de notre ouvrage de décantation. Donc, les sables se déposent sur le fond où ils sont aspirés par une pompe d'extraction et par la suite évacués tout simplement. Alors, le pré-traitement, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Il consiste
font un dégrillage et par la suite un déshuilage dégraissage. Alors, le dégraisseur a pour objet la rétention des graisses par flottation naturelle ou accélérée par injection de fines bulles d'air. Alors, comme j'ai dit, normalement, les graisses, elles remontent vers la surface sous l'effet de la pesanteur et sous l'effet de leur poids. Et vous avez aussi la même chose pour les sables et se décompte, mais on peut donc favoriser, accélérer donc la flottation en injectant des bulles d'air fines, tout simplement pour ramener avec eux dans leur remontée. Donc, ils vont ramener les graisses. Ces matières graisses sont susceptibles de nuire à la phase biologique du traitement. Pourquoi on les élimine dans la phase pré-traitement? Tout simplement parce que ils vont poser des problèmes au niveau donc de la phase traitement biologique qu'on va voir par la suite dans les traitements primaires. Alors là, c'est un exemple de procédé de pré-traitement. Donc, vous avez toujours la première étape, c'est le traitement des rejets par dégrillage. Alors, quand on refuse, ça veut dire les déchets solides de la phase dégrillage, ce sont généralement des refus qui sont fortement chargés en matière organique, donc ils ont une teneur élevée en matière organique, ils ont un potentiel biométhanogène, ça veut dire qu'on peut les utiliser tout simplement pour produire par exemple le gaz naturel par biométhanisation ou bien pour produire un compost par compostage. Donc, on peut faire une biométhanisation ou bien un compostage. Donc, les techniques de traitement des déchets solides. Pour les sables, s'il vous plaît, donc dans un dessableur, on va éliminer. Donc, bien sûr, si c'est l'arrivée des effluents, on fait un dégrillage, puis un dessablage. Pour les sables, donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tout simplement, on va les pomper vers un laveur de sable. Donc, on va faire un lavage pour les sables. Parce que ces sables aussi, ils peuvent être valorisés. Donc, les sables lavés, on peut les valoriser en technique routière, par exemple, mais à condition qu'elles présentent les caractéristiques, bien sûr, exigibles des utilisateurs et des autorités publiques de contrôle en termes de granulométrie, en termes de faible teneur en matière organique. Donc, on peut les laver et on peut par la suite les utiliser dans des techniques de construction, des techniques routières. Donc, toujours l'économie circulaire. Par la suite, le déshuilage. Donc, on fait le déshuilage, que ce soit, donc, ça peut être une étape combinée avec le dessablage ou bien on peut utiliser, bien sûr, d'autres ouvrages connexes. On fait un séparateur de graisse et par la suite, on va traiter les graisses. Donc, les graisses aussi, on peut les traiter. On peut les déshydrater et par la suite les éponder et les utiliser comme fertilisant pour le sol. On peut tout simplement aussi les incinérer et on peut les traiter biologiquement pour produire un gaz naturel ou bien pour produire le compost. Donc la même chose que pour les déchets solides, s'il y a bien sûr une capacité de le faire. Alors ça, c'est l'étape pré-traitement, s'il vous plaît. Le pré-traitement, c'est simple. Donc voilà, c'est pour éliminer les huiles, éliminer donc les matières grossières et aussi pour éliminer les graisses, tout simplement. Alors ça, c'est l'étape pré-traitement. Après le pré-traitement, il faut passer au traitement primaire. Alors le traitement primaire, s'il vous plaît. Il commence par une étape de décantation primaire. Alors, la décantation, déjà, le traitement primaire, sa définition, ou bien il consiste en quoi? Donc, les traitements primaires ont pour objectif de séparer les matières en suspension non retenues par les pré-traitements. Alors, vous vous rappelez des paramètres de contrôle des rejets. Nous avons parlé du paramètre matière en suspension. Alors, vous avez pris l'échantillon, vous avez. Vous connaissez que, pardon, vous dépassez les seuils, alors tout simplement, il faut faire un traitement. Donc, même si vous avez fait un pré-traitement,
mais ce n'est pas suffisant pour protéger l'environnement parce qu'il y a toujours des matières en suspension. Alors, il faut obligatoirement pomper les eaux vers une station de traitement primaire, de traitement en général, donc qui va commencer par un traitement primaire pour enlever les matières en suspension qui ne sont pas décomptables parce que il y a quelques matières en suspension qui sont très, très, très fines. Du coup, il nécessite des années et des années pour se décompter sous l'effet de la nature, sous l'effet de la pesanteur. Leur poids, il est vraiment négligeable. Ils sont, voilà, donc ils vont rester en suspension. Ils augmentent la turbidité de l'eau. Alors, la séparation est fréquemment réalisée par une décantation naturelle. S'il s'agit bien sûr des matières en suspension de grande taille, la décantation consiste à faire traverser un bassin par l'effluent à faible vitesse, donc ça c'est l'effluent s'il vous plaît, de façon à ce que les matières en suspension puissent sédimenter. Donc bien sûr, il faut laisser du temps. Donc pour faire une décantation naturelle, on laisse du temps, on attend, donc, et on ancre déjà les effluents à une faible vitesse pour s'assurer que toutes les matières puissent sédimenter. On va voir par la suite des exemples d'ouvrages de traitement primaire, mais en général, le profil du fond du bassin de décantation, il permet le rassemblement et la reprise de la suspension obtenue, que ce soit sous forme conique et ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est que la forme et la géométrie de l'ouvrage ou bien du bassin, il favorise le rassemblement et par la suite la reprise de la suspension obtenue. Et les boues déposées sont récupérées par raclage et pompage. Donc, ici à ce niveau, on ne va pas se retrouver avec une pollution solide vraiment grossière, mais avec des boues parce que la matière en suspension, elle est très fine. Alors, la décantation permet, ou bien ce traitement primaire à travers un bassin de décantation, il permet d'éliminer 50% jusqu'à 60% des matières en suspension et réduit d'environ 30% de la DDO5, de la DDO et la DCO. Donc, les paramètres dont on a parlé qui représentent la quantité de la pollution organique en se basant sur le calcul de la quantité de l'oxygène dissoute. Donc, si la DBO5 et la DCO, pardon, si la DBO, la DCO et la teneur en matière en suspension ne respectent pas les normes, il faut faire un traitement primaire qui va réduire déjà de 50% jusqu'à 60% les matières en suspension. Il va réduire donc jusqu'à 30% donc les teneurs en DBO et en DCO, bien les paramètres DBO et DCO. Alors là-bas, s'il vous plaît, des procédés de séparation dans un décanteur, c'est tout simplement une séparation solide-liquide. Donc c'est un procédé. Donc les gens qui ont fait la génie des procédés, ils sont familiarisés avec les types de séparation. Donc c'est une séparation solide-liquide tout simplement sous l'effet de la pesanteur. Et ces procédés, ils permettent d'éliminer d'une part 50%, comme j'ai dit, jusqu'à 60% des matières en suspension. Il va réduire donc leurs caractéristiques dimensionnelles. Il va éliminer les matières solides qui se déposent vers le fond d'un ouvrage qui s'appelle le décanteur pour former ce qu'on appelle les boues primaires. Alors là, on les appelle les boues primaires parce que ce sont des boues issues du traitement primaire tout simplement. Et ces derniers sont récupérés au moyen d'un système de raclage. Alors, après la décantation primaire, on va se retrouver avec d'autres déchets. Donc ici, déjà, nous avons des déchets solides et les non grossiers. Nous avons déjà discuté comment peut-on les valoriser et les éliminer. Les sables, donc, on doit les laver. Les graisses, on doit aussi les valoriser ou bien les incinérer tout simplement. Maintenant, on va se retrouver avec des boues aussi. Donc, les boues issues de la phase
primaire, ça veut dire les boucles primaires tout simplement. On va voir par la suite comment peut-on faire leur traitement, voilà, avant de les faire éliminer dans la nature. Alors, il existe de nombreux types de décompteurs classiques. Alors, je vous donne les techniques les plus classiques et vous pouvez aussi se retrouver avec d'autres techniques qui sont plus avancées. Mais en général, ce sont donc les techniques les plus utilisées. D'abord, on peut utiliser un décompteur horizontal avec raclage des bouts. Donc, déjà, la géométrie, il favorise l'élimination des bouts. Donc, vous avez un décompteur horizontal avec raclage. Le principe, il est assez simple. Donc, vous avez l'arrivée de l'eau brute, ou bien de l'eau, ça veut dire les rejets, donc les eaux usées, tout simplement. D'ailleurs, il y a des points communs entre le traitement des eaux usées industrielles et aussi le traitement des eaux usées domestiques. Donc, ici, vous avez l'arrivée de l'eau, ou bien des rejets à traiter. Deuxièmement, vous avez un pont racleur. Donc, ici, c'est le pont racleur qui va racler, voilà, donc les matières en suspension déposées pour par la suite les éliminer. Le point numéro 3, c'est la sortie d'eau décantée. Donc ici, vous avez l'entrée de l'eau. On laisse l'eau décantée. Ça veut dire qu'il y a ici donc, des sables qui se déposent ici. Par la suite, on les racle à travers le fond, vers le fond plutôt, pour les pomper et les éliminer. Troisièmement, ici, vous avez la sortie de l'eau décantée. Quatrièmement, reprise des flottants. Donc, s'il y a toujours des huiles qui n'ont pas été bien éliminées, donc ici, par exemple, à ce niveau, il y a toujours un système de flottation et de raclage et de déshuilage, donc pour éliminer les huiles restantes. Et cinquièmement, vous avez l'évacuation des boues. Donc ici, les boues raclées vers le fond, ils vont être tout simplement, bien sûr, éliminés. Je vais chercher pour la prochaine séance, s'il vous plaît, de demain. Est-ce que je peux trouver une vidéo pour vous envoyer la vidéo, parce que il y a des vidéos en fait sur Internet qui peuvent vous expliquer le fonctionnement d'un décompteur horizontal avec raclage des boues d'une façon dynamique et ça facilite la compréhension. Donc, je vais chercher la vidéo et si je la trouve, je vais la télécharger, la partager avec vous. Vous pouvez la voir pour comprendre le principe. Mais le principe, il est assez simple. Donc, vous avez l'arrivée de l'eau. Par la suite, la décantation, bien sûr, à faible vitesse. La décantation, le raclage des boues, le pompage des boues pour donc, les traiter. Et ici, vous avez, s'il y a des huiles, ils vont flotter et par la suite, on va les racler et les éliminer pour les traiter encore une fois. Et ici, vous avez donc tout simplement la sortie des eaux. Donc, les matières en suspension, elles se décantent tout au long de l'ouvrage. Voilà, donc ici, l'ouvrage, il est d'une grande dimension, du coup. Donc, voilà, c'est pourquoi on a représenté comme ça. Donc, ça ne fait pas partie de l'ouvrage. C'est juste pour vous dire que l'ouvrage, il est assez lent pour favoriser donc, la décantation. Et on va voir aussi notre technique pour demain, donc, qui est le décompteur cylindroconique. Je pense qu'on a encore du temps. Voilà, donc on a encore du temps. On peut utiliser un décompteur horizontal avec raclage des boues, comme on peut utiliser une deuxième technique qui est le décompteur cylindroconique. C'est celui-là. Cette fois-ci, c'est un décompteur qui ressemble un petit peu, il ressemble au dessableur des huiles. Pourquoi? Parce qu'il a une forme conique qui favorise la décantation. Encore une fois, vous avez l'entrée de l'eau brute ou bien des rejets liquides. Voilà, donc l'entrée des rejets liquides. Vous avez ici un système qui tourne, un système de raclage des boues qui tourne. On a ici la remontée des matières flottantes vers la surface pour qu'elles soient raclées. On a ici la sortie des eaux décantées. Et là, vers le fond, nous avons, on va faire vidanger donc les boues qui sont décantées vers le fond de notre casier ou bien de notre, voilà, pardon, décompteur circulaire.
Il y avait ici une photo, il n'est pas visualisé, je ne sais pas pourquoi. Pas de souci. Donc, le principe, il est assez clair. Donc, c'est le même principe, sauf qu'on a donc une autre forme, une autre géométrie. Et pour celle-ci également, je vais essayer de trouver une petite vidéo dynamique qui visualise, pardon, un petit peu la technique. Mais le principe, c'est le même. Sous l'effet de la pesanteur naturelle, une simple décantation, voilà, selon la dimension de la matière en suspension. Alors ici, nous avons le pré-traitement. Après ce pré-traitement, après donc, voilà, le dessablage et tout ça, on arrive au traitement primaire à travers d'abord un décanteur primaire. Donc vous voyez ici les eaux qui ont été déshuilées, dessablées et dégrillées. Ils vont être pompés vers donc, le décanteur primaire. Les boues primaires vont être récupérées vers un système de traitement de boue qu'on va voir par la suite, en quoi consiste ce système. Et l'eau, par la suite, décomptée, il va être acheminé vers les autres étapes de notre station d'épuration, donc vers le bassin d'aération. Et c'est ce qu'on va voir en fait demain. Dans la séance de demain, on va voir en quoi consiste donc ce deuxième traitement, ce troisième traitement. Donc on est toujours dans les étapes de traitement primaire, mais on va souffler vers un bassin d'aération. Ce sont les traitements secondaires qu'on va voir demain. Donc, on a vu maintenant le pré-traitement et le traitement primaire qui consiste en une décantation. Et on va voir demain donc les traitements secondaires dans un bassin d'aération. Et on va voir c'est quoi la notion des boues activées. Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais vous envoyer donc les vidéos si je les trouve aujourd'hui. Sinon, je vais les envoyer par la suite. J'espère que c'est clair. Donc, en ce qui concerne cette première séance, c'est un petit peu technique, mais ce sont des notions qu'il faut savoir déjà d'une façon basique, en gros. Et si vous êtes intéressé, après cette formation, vous aurez une base solide qui va vous aider à approfondir vos informations en ce qui concerne les techniques de traitement des eaux dans les stations d'épuration. Mais si on est dans une entreprise, ça veut dire on ne travaille pas dans une station, on n'est pas vraiment dans le domaine traitement des eaux, mais on est dans le domaine en général environnement, déjà, les choses que je viens de vous mentionner, elles sont suffisantes pour comprendre donc, et pour maîtriser voilà, donc, le contrôle et le suivi des rejets dans votre entreprise. Vers la fin de la formation, on va voir aussi ce côté gestion, ça veut dire quelques fichiers Excel, comment on peut faire le suivi, et ainsi de suite. Donc, le côté gestion, mais je préfère commencer d'abord par le côté technique. Donc, voilà en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les renvoyer dans notre groupe WhatsApp. Oui. Bon, madame, il n'y a pas de questions. Je crois que D'accord. c'est un peu compris. Donc, par rapport à la formation, j'ai comme l'impression que c'est ceux qui ont peut-être fait un peu la génie, les procédés, bien la biochimie, qui peuvent comprendre cette partie Oui. à procéder traitement Oui. des eaux. Ou bien il y a des prérequis. Bon, on n'a pas besoin de prérequis pour pouvoir comprendre cette partie. Donc voilà, donc pour moi, je pense que je vais vous donner juste, je ne vais pas vous donner des informations qui sont vraiment approfondies, juste les informations basiques pour comprendre comment ça se passe. Et comme j'ai dit, si vous voulez approfondir encore beaucoup plus vos informations, donc vous pouvez toujours donc, chercher beaucoup profondément. Mais pour notre formation, donc, je ne pense pas qu'il y aura des prérequis parce que je vais vous donner juste des notions de base pour comprendre comment ça se passe et pour comprendre aussi le côté gestion. Je pense que c'est suffisant pour une personne qui ne va pas être vraiment spécialisée dans le domaine traitement des eaux. Madame, j'ai une question. Moi, j'ai Oui? fait une filière concernant le génie des procédés, c'est-à-dire biochimie, biotechnologie.
biotechnologie et pharmacologie. Mais j'aimerais savoir, est-ce que quel serait notre apport avec cette formation, surtout le traitement des eaux là, dans une entreprise? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans une entreprise? Alors, généralement, dans une entreprise, voilà, donc si vous êtes orienté environnement, normalement, il y aura déjà une autre personne qui va être responsable du procédé. Parce qu'il y a un ingénieur procédé, il y a un responsable du procédé, et ainsi de suite. Donc, ça facilite la vie. Par contre, quand est-ce que donc, cette formation en génie procédé, biotechnologie et tout ça est importante? Si vous allez vous faire orienter vers les domaines, par exemple, purement techniques, notamment vous allez travailler dans une station d'épuration, vous allez travailler voilà, dans un laboratoire de contrôle de la qualité des eaux, vous allez passer, par exemple, peut-être des concours pour être recruté dans un établissement étatique, par exemple. Parfois, on vous demande des connaissances techniques. Mais pour un responsable environnement dans une entreprise, juste les notions de base, ils sont déjà suffisantes. Et c'est surtout le côté gestion qui est beaucoup plus demandé aujourd'hui dans le marché. Ça ne veut pas dire que le côté technique n'est pas important, mais le côté gestion pour une entreprise, il est beaucoup plus vigilant. Ça veut dire le côté, par exemple, 14001 et ainsi de suite. Sinon, la connaissance de certaines techniques, d'une façon qui est basique, ça va vous aider aussi à proposer les bonnes solutions. Dans le cadre, par exemple, d'une étude d'impact ou bien dans le cadre d'une démarche ISO 14001. Je ne sais pas si c'est clair la réponse, s'il vous plaît. Oui, madame, c'est clair, c'est clair. D'accord. Donc, c'est question de priorité et c'est D'accord. question de choix. Si vous choisissez un domaine technique, donc là, vous pouvez faire une formation académique, bien sûr, parce que ce n'est pas suffisant. La formation continue pour entrer dans le domaine génie des procédés. Mais ce sont des notions basiques que vous pouvez exploiter dans votre entreprise, dans le cadre d'une étude d'impact ou bien dans le cadre d'une démarche de certification ISO, Inch'Allah. D'accord. D'accord? D'accord, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo, s'il vous plaît. Je vais la partager avec vous ce soir ou bien demain matin avant la séance de demain. Merci beaucoup et je vous D'accord, souhaite une très bonne soirée. madame. Ok, bonne soirée à vous, madame.